CSAS national est en grève. Et c'est donc, on en est aujourd'hui en fait, au troisième jour de grève, donc on a décrété une grève de 72 heures. Et cela fait, disons, suite à l'expiration de notre préavis de grève, qui a été déposé le 15 janvier et qui est arrivé à expiration le 16 février. Alors, ce préavis comportait deux points. Le premier point, c'est la restauration de l'autonomie des universités par la non-promulgation de la loi CAR. Et aussi, le second point, c'est en fait la mise en œuvre immédiate du protocole d'accord entre le gouvernement du Sénégal et le SAS. Et ce protocole-là, il date de mars 2011 et nous a valu une longue grève en 2012, la grève dont les étudiants s'appellent certainement, et qu'on a suspendue pour permettre au gouvernement, en tout cas du président Macky Sall, une fois mis en place, de se poser la question. Et cela fait plus de 3 ans, plus de 1000 jours, que sur cette question-là, en tout cas, il n'y a aucune avancée. Et voilà, de façon rapide, les points du protocole qui, en fait, arrivent à expiration, points qui n'ont pas été pris en charge. Et c'est ce qui nous a amené à ce mot d'ordre de guerre. C'est le point focal du préavis de grève, puisque depuis le 26 décembre 2014, les députés ont voté une loi. En fait, les députés, j'ai dit 35 députés sur 150, soit un peu moins de 33% ou 34% des députés, ont voté une loi en catimini, donc une loi appelée la loi cadre. Alors, cette loi cadre-là, donc, c'est une loi qui vise un peu à harmoniser les textes au niveau des universités. Donc, juste pour rappeler que le SAES est pour la réforme des textes. D'ailleurs, c'est le SAES, en 2011, dans son protocole d'accord, avait en tout cas demandé au gouvernement de réformer les textes pour uniformiser. Donc, en cela, nous sommes pour la loi cadre. En tout cas, en fait, une loi cadre, mais pas cette loi cadre-là. Il y a une nuance. Donc, en 2011, c'est ce que nous avons signé avec le gouvernement. Et donc, le texte a été mis en place, mais n'a pas été examiné par toutes les instances des universités, contrairement à ce que dit le ministre. Et le SAES est allé voir les députés avant ce 26 décembre, justement, pour leur demander de ne pas voter ce texte qui n'a pas été examiné par les instances, mais qui porte des germes de conflit. Malgré tout, les députés ont voté cette loi-là une fois que le ministre est passé les voir. Et cette loi a été, soit entre guillemets promulguée, pas promulguée, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que le SAES, lors du conseil syndical des 10 et 11 janvier, en tout cas, a averti l'opinion et a décrété une débranche de 72 heures. Suivi en cela par une marche nationale le 14 janvier. Marche au terme de laquelle, en fait, on a été reçu par le Premier ministre qui nous a dit, en tout cas pour cette loi-là, d'attendre le prix d'application. Alors, ce qu'il faut comprendre par la loi, c'est quoi? Dans la loi, il y a fondamentalement 3 points de divergence. Mais il y a un point essentiel sur lequel le SAES ne peut pas reculer. C'est, en fait, la gouvernance des universités. Et dans cette loi-là, il est prévu de mettre en place un conseil d'administration dans les universités. Nous sommes pour le conseil d'administration. Ça, il faut le dire. Il faut que ce soit clair. Contrairement à ce que les gens sont en train de dire, la communication ministérielle, le SAES n'est pas contre. On est pour le conseil d'administration dans les universités. Il existe à Bombay. Bombay, mais ce n'est pas peut-être en fait les mêmes proportions. Alors, mais c'est seulement au niveau de la composition des missions qu'il y a problème. Dans la composition, vous avez 55% de membres qui sont nommés par la seule volonté du ministre de l'enseignement supérieur. Et ces 55 membres-là qui sont issus du monde économique, qui ne connaissent absolument rien à l'université, sont chargés de délibérer sur des questions pédagogiques qui concernent l'université. Voilà le grand problème. Comment peut-on laisser de côté les actes d'université, avoir un conseil composé majoritairement de personnes extérieures, nommées sur une seule base politique par la volonté d'une seule personne, pour qu'ils puissent diriger l'université? Donc cela, vous prenez, n'a aucun sens. Les étudiants, ils seront deux dans ce conseil-là. Alors que les étudiants, avant, ils étaient, je pense, avec les... Je prends l'exemple de l'UGV, il devait être, il y a autant d'UFR peut-être que d'étudiants. Il y avait encore un bon nombre d'étudiants. Les étudiants seront réduits à deux étudiants et seulement 5 enseignants. Donc ils sont, même dans ce conseil-là, même si les étudiants, les enseignants, les personnes ne viennent pas, les personnes extérieures, qui sont force largement majorité, pourront se réunir, décider de tout, y compris d'augmenter, par exemple, les frais d'inscription.
de privatiser certaines choses. Donc ça, on n'y peut rien. Donc ce seront les personnes extérieures à l'université. Ça, c'est le point de divergence fondamental, la composition. Mais l'autre point de divergence, c'est bien sûr les missions, ce qu'en tout cas, ce conseil-là a comme prérogative. Bien sûr, il y a l'élection des recteurs, qui a été une directive de la CNAES, que le ministre a défendu en tant que recteur, en tant qu'enseignant. Mais maintenant qu'il est de l'autre côté, il semble défendre le contraire. Mais ça, on le lui conseille, puisque en fait, le pouvoir révèle l'homme. Alors, donc ça, c'est sur les points de désaccord sur la loi 4. Alors, je disais que le 14 janvier, on a fait une marche nationale. Et le 2 février, comme vous avez sûrement entendu, en fait, vous l'avez sûrement couvert, on a procédé à une cérémonie d'incinération de la loi 4 de façon simultanée dans toutes les universités pour marquer en tout cas notre désapprobation par rapport à cette loi, dont le contenu pose problème, mais aussi la légitimité, puisqu'elle a été votée seulement par 35 et députés sur 105. Alors, le problème fondamental, c'est pour le CES en tout cas, ce n'est pas la réforme, mais c'est la démarche utilisée pour réformer. Les réformes que cette nouvelle réforme-là est en train de vouloir supprimer ont été mises en place de façon consensuelle, de façon inclusive, sur plusieurs années, en discutant avec tous les acteurs. Maintenant, on veut réformer en excluant les acteurs principaux. Vous avez vu, l'année passée, c'est pour ça que les étudiants. Les réformes, pour que ça passe, il faudrait qu'on puisse inclure, en fait, les acteurs. Donc, cela n'a pas été fait totalement. Donc, même si on parle de la CNAES, on sait que ça a servi de faire valoir, puisqu'il y a un décalage énorme entre les directives en fait, de la CNAES et les décrets du conseil présidentiel. Puisque le ministre, ce qu'il a fait, il a pris ce qui l'intéressait du conseil de la CNAES, il l'a donné au conseil présidentiel, et du conseil présidentiel, il a pris ce qui l'intéressait pour appliquer. Ouais. Donc, en fait, il y a une sélection, en fait, en tout cas, notoire, en tout cas, en ce qui concerne l'application des directives. Alors, il y a des choses non concertées qu'il est en train de mettre en place. Par contre, d'autres qui étaient concertées ne sont pas mises en place. Par exemple, la réforme des titres, c'était concerté, il y a un texte consensuel. La réforme des titres est consensuelle, mais en fait, le ministre refuse de l'appliquer. De l'autre côté, vous avez l'orientation des bacheliers, qui n'a été discutée nulle part, qui n'est non consensuelle, qui n'est pas une directive de la CNAES, qui a été décidée par le ministre de façon unilatérale, et c'est lui maintenant qui oriente les bacheliers. Imaginez-vous, je le dis toujours, imaginez-vous un seul instant que le ministre des Sports s'amuse à sélectionner les joueurs de l'équipe nationale et à les sélectionner sur le terrain. Imaginez-vous cela un seul instant. Donc le Sénégalais lambda, le Sénégalais moyen ne le comprendrait pas. En fait, les gens vont se demander. Alors que là, on veut bien que les universités aussi acceptent aujourd'hui que ce soit des hommes politiques qui aillent sélectionner des étudiants et qui nous les envoient ici. Je vous donne des exemples. Il y a des étudiants qui ont, si on a la deuxième liste, qui ont des moyens supérieurs à ceux-là. Première liste. Ça n'a aucun sens. Et là, en fait, tout à l'heure, on a parlé, vous savez, quand on demande aux étudiants, à des bacheliers, de faire 18 choix pour leur avenir, moi je défie à quiconque de faire 18 choix pour son avenir. Le logiciel d'orientation a beaucoup de problèmes qu'on a énumérés, et lorsque le président nous a rencontrés le 27 août après la mort tragique des étudiants de Bassi Oufaye, nous lui avons dit, en tout cas, il y a beaucoup de problèmes, y compris la façon de réformer. En cela, on avait donné un document au président pour lui, en tout cas, en ce qui concerne la sélection des bacheliers, il y a des problèmes. Parce que vous pouvez avoir un étudiant qui est parmi les, disons, qui fait comme premier choix, par exemple, l'UFRSAT. S'il est numéro 52 et qu'à l'UVS, c'est son 12e choix, il est 3e là-bas, il va forcément aller à l'UVS, qui est son 12e choix. Le logiciel ne l'envoie là où il est mieux placé, qui ne correspond pas forcément à son premier choix. C'est pourquoi actuellement vous avez à l'UGB beaucoup d'étudiants, après la première année, qui demandent à être réorientés, parce que ce n'est pas ce qu'il avait voulu faire. Donc voilà, ce n'est pas une sélection, ce n'est pas une orientation, mais c'est une répartition. Donc il y a une nuance, ils sont dans la quantité, ils ne sont pas dans la qualité, parce qu'on n'envoie pas la personne là où il doit aller, là où il veut aller. Et on le comprend, c'est tout à fait un truc politique, puisqu'ils ont quand même une difficulté notoire pour orienter tous les bacheliers. Et en cela que ça n'a pas été consensuel. Ça, c'est partie de la démarche non... C'est un exemple, en fait, de démarche non consensuelle, mettre en place un décret qui n'a pas été discuté, par exemple. C'est tout un processus. Je le disais, c'est pas que la loi 4. En fait, vous avez sûrement entendu parler de la loi d'orientation qui est en train d'être mise en place. Ouais, là, cette loi d'orientation, le ministre l'avait envoyé au mois de juillet aux universités en leur demandant une semaine pour réagir. Une loi aussi importante qui doit gouverner l'université. Une semaine pour réagir.
Ouais, ça prouve quand même qu'ils ne donnent pas aux gens le temps de regarder. Et cette loi d'orientation, normalement, qui a été rejetée par toutes les universités, elle devrait venir avant la loi 4. Parce que la loi d'orientation, c'est une loi en fait, du sous-secteur, de façon générique, et qui va être précisée plus tard avec la loi 4, qui est dans l'aspect gouvernance. Donc, cette loi 4, si elle passe, en fait, c'est un instrument de contrôle de l'université par le pouvoir politique. Quand je dis contrôle, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être contrôlé. Pour la preuve, c'est nous qui avons demandé à ce qu'il y ait des rapports d'audit dans les universités. Pour que les gens qui ont une gestion pas du tout vertueuse, ces gens-là puissent être sanctionnés. Les rapports d'audit sont là. On ne les a pas exploités. Je reviendrai sur les rapports d'audit. C'est pour vous dire qu'en tout cas, le ministère est en train de vouloir contrôler. Contrôler, ça veut dire quoi? Toutes les prérogatives des universités qui étaient entre leurs mains, il dépouille les universités de leurs prérogatives, souvent pédagogiques, parce que la sélection des bacheliers c'est pédagogique. Dépouiller en fait les universités de leurs prérogatives et ensuite faire quoi? Faire concentrer ces pouvoirs-là. Bien sûr, si vous nommez majoritairement des personnes d'un conseil d'administration qui vous sont redevables, ces personnes-là, normalement, elles vont faire passer ce que vous voulez, qui vont parfois être différentes de ce que l'université veut. En termes de pédagogie scientifique. Donc nous ne refusons pas le contrôle, mais il faudrait quand même dans toutes les universités en fait sont autonomes sur le plan scientifique et pédagogique. Ouais. On ne peut pas comprendre que toutes les universités partout au monde soient autonomes et qu'au Sénégal, qu'on veut que l'université soit dirigée à distance par l'homme politique. C'est en fait supprimer toutes les instances de gouvernance des universités qui sont les AIOT, qui sont bien formées et remettre de façon télécommandée tous les pouvoirs entre une seule personne et via les personnes qu'il va nommer dans ces instances-là. C'est de ça qu'il s'agit en fait, c'est ça la gravité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement c'est une gestion centralisée. Au moment où on parle de l'octroi de la décentralisation, ce qu'on fait, c'est quoi? On centralise entre les mains d'une personne qui a le pouvoir de nomination. Après avoir eu le pouvoir de sélection dans toutes les universités, des étudiants, il a maintenant le pouvoir de nomination à majorité des membres du conseil d'administration. Et avec la loi d'orientation, il cherche à avoir le pouvoir de recrutement, d'affectation et de qualification des enseignants. Cela n'existe nulle part au monde. Nulle part. Un ministre qui va sélectionner les étudiants, les orienter, un ministre qui va recruter les enseignants, les affecter et les qualifier, cela n'existe nulle part. Et le Sénégal est en train de se singulariser maladivement par en fait ces façons de faire qui sont vraiment de notre âge. Ce qui est important, ce n'est pas déjà de voir ce que, en fait, là où le SAES compte aller, ce qu'il compte faire. Mais c'est d'abord de voir qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'on en arrive là. Qu'est-ce que le SAES a fait et qu'est-ce que l'autorité n'a pas fait. Ça, c'est ce qui est très important à mon avis déjà. Parce qu'après, moi, je comprends la question qui va venir. C'est pas le jusqu'au boutisme, on n'est pas jusqu'au boutisme. Mais je pense que ce qui est important, c'est de savoir que le SAES, avant d'en arriver à la grève, le SAES a quand même initié en fait, beaucoup de lobbying. Le SAES est allé voir les autorités religieuses, les autorités coutumières, les leaders d'opinion, voir les députés, tout le monde pour les sensibiliser sur la démarche du ministre, sur la façon de faire. Et c'est sur là où cette démarche-là va nous mener. On n'a pas été écouté. Toutes les voies, tous les moyens, on les a utilisés quand même, je pense, pour alerter l'opinion. Et on a commencé par des débrayages. Avant même de déposer les préavis pour avertir. Vous avez vu, il y a eu des débrayages au mois de janvier. Débrayages 72 heures, et ainsi de suite, des choses comme ça, pour quand même alerter l'opinion avant d'aller au préavis. Malgré tout cela, il n'y a rien eu. C'est quand on a déposé le préavis qu'ils nous ont commencé à nous appeler. Et je vous dis une chose. Le SAES a vu le président de la République entre les deux tours. C'est la première fois que le SAES a vu le président de la République. En fait, il était candidat. Et il avait appelé le SAES, en tout cas, comme beaucoup d'autres Sénégalais l'ont fait, a quand même sursoir à la grève de 2012. Et en tout cas, si jamais il était élu, il allait, sur beaucoup de questions, bien sûr, les prendre en charge. Le SAES a réagi à son appel, aussi à l'appel de beaucoup de Sénégalais, pour suspendre sa grève, si vous vous rappelez, en 2012. Alors, depuis qu'il a été élu, il n'a plus jamais revu le SAES. La seule fois où le président de la République a revu le SAES, c'était quand l'étudiant Bassir Faye a été tué, le 14 août, il nous a reçu le 27 août pour nous dire de l'aider quand même, en tout cas, à régler le problème au niveau des universités. En cela, le SAES n'avait pas reposé, puisque c'est un syndicat responsable, un syndicat de proposition qui a montré toute sa détermination, en tout cas, toute sa disponibilité à avoir contribué. Quand la tension s'est apaisée, en fait, a baissé d'un grand,
On ne l'a plus du tout revu. Et le ministre qui se cachait pendant un mois après la mort de l'étudiant, il a bien sûr continué à un bout de mois à reprendre ses activités, a bien sûr commencé à connaître sa démarche non inclusive. Et d'ailleurs, sur cette question de la mort de l'étudiant, nous réclamons en tout cas, comme tous les Sénégalais, que la lumière soit faite pour que l'on puisse savoir situer les responsabilités. Bien sûr, les coupables, mais aussi les responsables, parce qu'il y a une nuance. Il y a les coupables et les responsables. Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que cette mort n'aurait pas pu éviter? Donc, il n'a plus jamais reçu, ça c'est la question du président qui n'a plus jamais du tout, en fait, il n'a plus jamais contacté le SAES deux fois, une fois en fait, avant les élections, une fois que l'étudiant a été tué. Depuis, on ne l'a plus revu du tout. Et même, on lui a envoyé une lettre ouverte, et il n'a jamais, enfin, pas une lettre ouverte, une correspondance, en tout cas une lettre, quand même pour lui dire que sur beaucoup de questions, le ministre n'avançait pas, il n'a jamais réagi. Et en cela que nous sommes allés, disons, crescendo, disons, on a décréter ce mot d'ordre de mariage après le conseil syndical du 11 janvier, la marche du 14 janvier, mais aussi la cérémonie d'incinération de la loi dans tous les campus des universités. Voici c'est des actions qu'on a posées bien avant l'expiration du préavis. Et ce qu'on doit dire, c'est pourquoi le gouvernement, depuis 2012, le protocole d'accord avec le SAES qui a été signé depuis 2011, depuis que le gouvernement, 1000 jours de grâce, 1000 jours que le gouvernement a eu toute la latitude de régler cette question, 1000 jours, plus de 1000 jours. 365 fois 3, ça fait plus de 1000 jours que le gouvernement a vraiment eu tout le temps, au moins ne serait-ce que sur une question de montrer sa bonne volonté. Et il y a eu délatoire dans tous les sens du terme, et c'est en cela que le SAES vraiment, après avoir épuisé toutes ses voies de recours, tous ses moyens de pression et aller de guerre lasse, déposer ce préavis de grève-là qui nous amène aussi à cette situation. L'autre chose qu'il serait important de dire, dernière chose, nous, on est disposé au dialogue, on est disposé. Le gouvernement nous a appelé en plénière le jeudi 5 février et en commission le 10 et le 9 février. Mais dans ces commissions-là, actuellement, ce qu'on a remarqué par rapport à cette loi-là, que le ministre est dans ses positions. En fait, ils sont en train de nous faire dire que cette loi-là, elle ne peut pas être changée du tout. Elle ne peut qu'être en l'état. Donc voilà jusqu'au bouddhisme. Et donc le SAES dit que cette loi ne peut pas passer parce qu'elle viole fondamentalement quelque chose de consacré qui est en fait l'autonomie des universités. Donc cela ne peut pas passer. Donc c'est une chose consacrée par des textes, par des principes qui sont valables dans toutes les universités. Et on comprendrait mal que le Sénégal se singularise, que la chose universitaire soit maintenant remise entre les mains des politiques qui, quand ils étaient universitaires, l'ont toujours défendu. Parce que vous voyez, quelqu'un qui a toujours défendu l'autonomie des universités quand il n'était pas au pouvoir, dans un parti au pouvoir, qui a toujours défendu, comment on explique aujourd'hui qu'il puisse aujourd'hui nous dire qu'on doit se plier à la volonté politique en ce qui concerne l'autonomie des universités? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Et cette question-là, elle va au-delà des enseignants, mais c'est une question de l'université. L'université, pas seulement les enseignants, ce sont les étudiants, ce sont les pats, ce sont les pères. Donc c'est une question même qui dépasse les enseignants. Et en cela, on a aussi rencontré la coordination des étudiants à un moment donné pour leur en parler, en fait, parce qu'ils ont souhaité cette rencontre-là, pour quand même expliquer pourquoi cette grève du SAES et pourquoi on en est arrivé là. Et aussi, on est disposé aussi à rencontrer le maximum d'étudiants, communiquer davantage pour que les gens sachent que, en tout cas, le SAES n'a, pour vraiment chercher un motif d'aller en grève, je pense qu'on n'a pas, vraiment depuis des années, on peut dire que on n'a jamais eu une raison aussi valable d'aller en grève. On n'a jamais eu une raison aussi valable d'aller en grève. Et ça, on ne le fait pas de gaieté de cœur, c'est après avoir épuisé toutes les voies, tous les moyens de pression, de recours pour qu'on y arrive. Ça, c'est des guerres lasses, vraiment. Les étudiants, on les a rencontrés. Ils m'ont posé la question en marge d'une assemblée d'université parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi cette loi 4 là. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à leur, en fait, plus ou moins, on a commencé à communiquer avec eux. Mais je pense que la grande majorité ne voit pas trop. C'est ce que cette impression-là que j'ai. D'ailleurs, les autorités suivent sur cela parce qu'on a vu les autres étudiants de Dakar. C'est les étudiants de Dakar qui ne comprennent pas forcément ce qu'il y a dans la loi. Et peut-être il y en a qui sont, je ne sais pas dire qu'ils sont utilisés ou pas, mais bon, les sorties qu'ils ont, en fait, les arguments qu'ils ont vraiment sont proches, en tout cas, des arguments que les ministres donnent. Et cela nous semble vraiment assez, c'est une coïncidence assez bizarre quand même. On a quand même essayé d'un côté de d'une part avec les délégués d'étudiants, la coordination, d'avoir certains échanges qui nous ont permis en tout cas d'expliquer vraiment
l'étendant et l'exemption de ces lois en espérant qu'ils puissent se répercuter. Mais nous, on est en fait dans une démarche aussi de préparation de documents qu'on va quand même diffuser le plus largement possible pour quand même expliquer simplement la lutte du Sahel à tout le monde. Pour qu'on ne soit pas obligé même d'être enseignant ou en fait d'être dans les instances d'un syndicat pour qu'on puisse comprendre. Il faut qu'on puisse comprendre en fait, pardon, les dangers de cette loi par rapport à l'université. Il n'y aura plus d'université. On n'est pas contre l'ouverture au monde socio-économique. On est contre le contrôle de l'université par le monde socio-économique. C'est ça la différence. Le monde socio-économique, l'extérieur ne peut pas contrôler l'université. Ça n'a aucun sens. Donc on est pour l'ouverture, mais avec des proportions respectées partout. Donc les normes, c'est 30%, 25% ailleurs. Pourquoi au Sénégal, c'est les 55% de gens qui vont diriger l'université et décider sur toutes les questions, y compris pédagogie? C'est ça la question. Demain, on peut vous dire, le conseil d'administration, il a la possibilité de supprimer des filières. Aujourd'hui, on voit une filière en agro. Par exemple, que les membres du monde économique jugent ne peuvent pas être rentables. On dit, on supprime la filière. Comme ça. Personne n'y peut rien. Ils peuvent supprimer des filières, simplement. Ouais, donc voici les questions en fait qui étaient là jusqu'à présent, réservées à la pédagogie, aux universités, qui peuvent se retrouver demain entre les mains de personnes qui n'ont aucune qualification, qui n'ont aucune connaissance de l'université et qui ont un seul mérite de connaître celui qui les a nommés. Et ça, c'est pas un mérite. Et ça, c'est justement le fond de la bataille du Sahel, que l'université reste aux universitaires en termes d'autonomie pédagogique, scientifique, concentrée par des lois séculaires. C'est comme si les gens découvraient l'université aujourd'hui. Et il faudrait qu'on puisse dissocier la chose politique de la chose pédagogie. La pédagogie aux enseignants et la politique aux politiciens. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, les universitaires devenus politiciens puissent livrer l'autonomie de l'université aux politiciens. J'aurais compris que les politiciens viennent l'arracher eux-mêmes, mais que ce soit des universitaires qui ont défendu l'autonomie des universités jusqu'à présent, qui viennent livrer l'autonomie aux universités. Donc ça n'a aucun sens. Et ça, c'est ça vraiment le nœud du problème et le combat même du SAS. Sur la conséquence de cette loi, par exemple, à l'UQAM, si cette loi passe, on dit pour les 100 000 étudiants, ils sont représentés seulement par deux étudiants. Donc, deux étudiants qui vont représenter 100 000, qui vont faire passer dans le conseil, on va avoir majoritairement des personnes du monde extérieur. Il n'y a que deux étudiants sur les 104, choisi deux étudiants sur 100 et quelques mille pour porter leur. En fait, leur voix dans cette décision fondamentale. Ça, c'est un problème. Au-delà des enseignants, en fait, la communauté universitaire n'a aucun contrôle maintenant sur sa destinée, en fait, sur sa vie. C'est ça la grande question. Donc, sur cette question, en tout cas, il n'y a plus. Donc, les étudiants, certes, et les enseignants seront toujours dans le conseil académique, mais ils seront encore. Le conseil académique, c'est les acteurs de l'université. Mais dans la part administrative, tu dois valider. Il n'y aura pas d'étudiants, il y aura deux étudiants et ensuite cinq enseignants. Et le reste, c'est en fait des personnes nommées entièrement par le ministre. C'est ça le danger. Là où il faut comprendre, en fait, c'est la politisation de l'université. Même, on peut s'accorder sur une chose. Au lieu de dire que cette personne-là, c'est elle qui va nommer à tout bout de champ, qu'on définisse des canaux ou des profils pour que la chose politique-là ne puisse pas empiéter sur les universités. C'est ça le danger. Aujourd'hui, que demain, que l'université soit un réservoir politique de nomination. C'est ça le danger en fait qui nous guette. Que demain, que l'université ne soit pas un réservoir de nomination à des postes politiques. Et c'est ça actuellement le grand danger et c'est ça le sens du combat du SAS. Le SAS, c'est le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le syndicat des enseignants du supérieur. Ouais, si c'était que ça, nous on aurait parlé que des questions d'argent. Si vous voulez. Le protocole d'accord signé entre le gouvernement et le SAES, ça date de 2011. On a fait une grève en 2012. Depuis 3 ans, on ne parle plus de protocole d'accord. On a laissé le temps largement sur beaucoup de questions. Je vous donne un exemple. Sur la question des budgets, vous savez, cette année, vous avez vu à l'UGB beaucoup de mouvements de grève sur les salaires. Est-ce que vous savez que les enseignants, même pour être payés, il faut qu'ils aillent en grève? Est-ce que vous trouvez cela normal? Qu'on puisse quand même, après avoir travaillé un mois, les salaires sont budgétisés sur 7 mois. Cette année, ils nous ont donné un budget pour 7 mois de salaire et 5 mois pas de salaire. On demande de voter un budget. Comment refuser? Qu'est-ce que les étudiants trouvent normal? Que quand même, que partout les fonctionnaires qui travaillent soient payés le 15, qu'un enseignant qui travaille jusqu'à la fin du mois, que cet enseignant-là, pour avoir son salaire, doit à chaque fois aller en grève jusqu'au 15 du mois pour avoir son salaire, le 15 du mois.
L'enseignant qui est malade, qui va dans ses opinions, dans les hôpitaux, qui n'est pas soigné, qui cotise et qui renvoie avec sa famille. Ouais. L'enseignant pour lequel on coupe des retenues sur ses salaires, c'est son argent qui devait être reversé, qui n'est pas reversé. Est-ce que vous trouvez que cet enseignant-là puisse, au nom du patriotisme, au nom de je ne sais pas quoi encore, faire... Mais non, non, on a, je pense que les enseignants, ils ont aussi le droit de vivre. Et ça, il faudrait quand même que les gens nous le concèdent. Donc, c'est normal, puisque je ne vois pas dire que les enseignants gèrent leurs intérêts, en fait. Le syndicat est là pour la défense des intérêts matériels aussi et moraux de ses militants. Ça, c'est normal. Dans toute coopération, il existe. Mais aussi là pour la défense de l'université. Et là, la loi 4, c'est la défense de l'université. Et le protocole d'accord, sur beaucoup de points, c'est la défense des intérêts des anciens. Et sur cela, on est clair là-dessus. Et on n'a pas d'état d'âme par rapport à la défense des intérêts des anciens. Ouais. Donc, je ne vois pas les étudiants. C'est normal, en fait. Et toute autre personne, si vous ne recevez pas vos bourses, en fait, vous ne pouvez pas vous demander jusqu'au 15, jusqu'au reste 4 mois sans bourse. Voilà, vous réclamez vos droits. Nous sommes des travailleurs au même titre que tout le monde. Et nos droits, on les réclame aussi. On les réclame, pas en allant en grève tout le temps, mais en demandant à ce que les autorités, quand même, puissent ce droit-là nous en faire bénéficier. Si de guerre-là, si au bout d'un mois, ce n'est pas mis en œuvre, et c'est là que le SAS va en grève. Quand le SAS en va en grève, je pense que ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas constater qu'on est en grève, c'est voir déjà ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait pour qu'on soit là. Ça, c'est la question importante, avant de constater la situation, voir ce qui a été fait. Donc, sur ça, moi, je pense que c'est la communication et c'est la diabolisation de l'enseignant qui est restée de tout temps. Parce que l'enseignant, dans ce pays-là, les gens aiment voir les enseignants misérables. Ça, c'est connu, de toute façon. Voir un enseignant misérable, ça, c'est, je pense que les gens se plaisent à cela. Mais sur beaucoup de questions, en tout cas, les enseignants se battent. Et sur beaucoup de questions, si on ne se bat pas, c'est l'université qui va flancher. Les gens ne veulent pas que quand on se bat, on dit que c'est les intérêts des enseignants. Si on ne se bat pas, c'est beaucoup de questions. Ouais, nous rendons sur les bachelets, c'est entre leurs mains. Demain, soit entre les mains des politiques. On se bat pour que les étudiants puissent entrer ici à diplôme égal, ou bien en tout cas, avec le mérite. Maintenant que ce n'est plus entre les mains des enseignants, plus les mains d'une université, on ne sait pas qui recrute, on ne sait pas comment il le fait, comment il s'est fait. On ne sait pas. Donc, laissons tout entre les mains des politiques, si on le laisse. Le danger, c'est ça. Si on dit que les anciens se battent pour leurs intérêts, demain, on peut laisser tout entre les mains des politiques qui vont décider de faire ce qu'ils veulent pour l'université. Et ça, je pense qu'on ne va pas le faire, quelle que soit la caricature que les gens font des enseignants. Ce n'est pas cette caricature-là, ces jugements-là qui vont faire que nous, on va reculer sur ces questions-là. Peu importe la caricature, peu importe l'appréciation qu'on fait des enseignants, nous on a été étudiants, enfin, on est enseignants, mais on comprend beaucoup de choses en fait par rapport à la perception qu'ont les étudiants des anciens. Mais je pense qu'en tout cas, c'est rassurer par rapport à la motivation. Sur la carte, c'est une motivation purement universelle et on le fera si, si vous voulez. En tout cas, on ira vers les étudiants pour communiquer davantage, pour que les étudiants puissent savoir en tout cas sur cette question. Vraiment, ça dépasse largement les intérêts des anciens. Si c'était que nos intérêts, on serait allé en grève depuis longtemps avec le protocole d'accord. Ça fait 3 ans qu'on n'est pas allé en grève pour le protocole d'accord. Mais pour les questions de salaire quand même, je pense qu'on peut demander aux anciens de rester jusqu'au 15 du mois, le 20 du mois sans être payé, alors que les fonctionnaires sont payés le 25 de l'autre mois. Ça, je pense qu'on peut le demander aux anciens, qui sont des personnes avant tout, avant des anciens. Le mouvement, il est national maintenant. Ce n'est pas un mouvement local propre à Saint-Louis. Donc ici, le SAS fonctionne, il y a une structure, il y a des coordinations dans les campus et il y a un bureau national. Chaque campus aujourd'hui a fait une assemblée générale de campus et a sûrement dû définir un plan d'action et un mot d'ordre qui, en fait, va être transmis au bureau national élargi qui va demain statuer sur le mot d'ordre pour la semaine prochaine. En tout cas, ce qu'il faut noter déjà, c'est que le gouvernement en fait, a reçu, bon, le gouvernement, trois individus ont reçu, du gouvernement ont reçu, en fait, le SAS le mercredi passé. Et en tout cas, il n'y a aucune avancée sur la loi 4. Donc, du coup, en fait, il n'y a aucune avancée et les sections appréciées. Et donc, sûrement, d'ici demain, vous aurez le mot d'ordre national sur ce qui va se passer. Mais déjà, il faut que les gens sachent que c'est le dilatoire. Et c'est là où on voudrait quand même que les gens soient témoins, qu'on prenne à témoin sur les actes qu'on a posés jusque-là, sur les réactions du gouvernement, et pour que vous puissiez apprécier. Il ne s'agit pas de dire que voici les anciens ont décrété, mais pourquoi ils ont décrété? Qu'est-ce que l'État a fait? Ou quelles sont les concessions que l'État a fait? Est-ce que l'État peut faire des concessions? Ça change quoi pour l'État fondamentalement qu'il y ait 55% ou 30% de membres extérieurs dans l'université? Ça change quoi pour l'université?
ça change quoi? En quoi c'est déterminant pour vos cours? Ça change quoi en fait pour l'université, pour l'État? Qu'il y a 50, qu'il y ait 50% ou 30%. Ça change quoi en fait dans vos résultats? On a augmenté les frais d'inscription. Ça a changé quoi pour vous? Dans votre vécu d'étudiant, dans vos problèmes quotidiens, ça n'a rien changé. Les problèmes sont les mêmes. Au contraire, les DIP là, les DIP là, on ne sait pas où c'est passé. C'est ça les vraies questions. La réforme, ça ne se passe pas dans les paroles. Ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas des questions d'annonce. C'est la réalité du terrain.